L'activité élevage demande la terre, les temps et l'énergie, mais aussi patience et passion. Ban élever pong dans Maurice nourrit des animaux, surtout pour l'abattage. Avec l'aide et soutien Faré, Food and Agricultural Research and Extension Institute, Zoti ban élever gagne plusieurs avantages, depuis formation lors l'élevage jusqu'à l'équipement pour les porcheries et ban les autres facilités. À Faré, le service de vulgarisation offert à tout ban éleveur, incluant ban éleveur de porc, un encadrement technique que nous fait visite lors ban la ferme et là nous donne ban éleveur ban conseil technique comment se capable améliorer cet élevage, nous fait ban suivi ban projet d'élevage de porc comme on a à Saint-Martin, à Bassin-Requin. Nous aussi ayons une démonstration, une group meeting et même une campagne de sensibilisation désignée pour les éleveurs. À Faré, nous dispensons un cours au piglet production pour les éleveurs qui sont intéressés dans l'élevage de porc et aussi les nouveaux entrepreneurs. Maintenant, le cours même est en 5 sessions et à la fin, chaque participant gagne un certificat. Nos cours chez nous sont approuvés par le HRDC et le MQA. Et dans nos cours, nous surtout montrer ban éleveur, ban technique de production sur l'élevage porcin. Le ministère a plusieurs schemes pour ban éleveur de porc. Par exemple, il y a le Feed Subsidy Scheme, que un éleveur bénéficie de subsides lors l'achat de ban aliments, surtout ban concentrés, qui sont servis pour nourrir les animaux. En plus de ça, le ministère a une grande schemes. Il y a 3 schemes comme ça, spécifiquement pour les éleveurs de porc. Le premier, c'est un scheme pour l'achat des équipements. Que l'éleveur est capable de bénéficier d'un grant de 50% sur le coût de l'achat des équipements ou un maximum de 150 000 roupies. Le deuxième scheme, c'est le scheme sur l'achat et l'installation d'un système de CCTV camera. Et là, l'éleveur y bénéficiait 50% sur le coût du projet ou un maximum de 25 000 roupies. Le dernier scheme, c'est sur le Rainwater Harvesting System ou sur le captage d'eau de pluie, que là, l'éleveur est capable de bénéficier 50% coût du projet ou un maximum de 50 000 roupies. On commence avec 5 animaux, on commence à s'occuper, Et puis, on retourne avec ma maman, on commence à faire l'état, on apprend à faire l'état, comment gérer une maman, comment apprendre à s'occuper, ban petit. À ce moment-là, on commence à suivre pour Farey, pig production, on suit pour farm management. Au fur et à mesure, je suis comme plus l'encouragement, plus l'idée aussi, comment pouvoir gérer la ferme. Avec l'aide de Faré, j'ai plus de niveau technique, de façon comment agir techniquement, comment je gère la ferme, comment je gère mes animaux, comment je pouvoir manger et tout. J'ai assez de conseils techniques pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est une grande aide parce que quand on gère une affaire, tu sais le si, sans qu'il y ait un petit booster, un petit poussé, ou pas, il n'est pas facile. Mais avec ce petit plus qui m'a gagné là, il aide moi beaucoup. Je gagne mon subside, je gagne beaucoup de facilité avec Faré aussi. Comme si il donne nous plus l'encouragement ou à faire un peu plus grand. Ou à faire un peu plus grand, ou à gérer plus que ça. Comme si je pensais, moi, au niveau qui m'est arrivé, je gère comme. Disons un sort, une descente animaux aussi, mon cas gérer parce qu'il est tout assez facile. Si un du monde décide pour faire l'élevage, il fait les qu'une façon bien, bien compétent, bien honnête envers un animal parce qu'il pas prend ligne de maîtrise là. Un animal il demande tout le temps. Monsieur, ce qui m'a envie d'agrandir une affaire plus grand, même 200 aussi, moi pour nourrir, il paraît même moi. Il vous visait propre, il vous visait boire de l'eau propre tous les jours parce que ça c'est une affaire qui pour moi est essentielle.
Pour plus de renseignements, ben éleveurs capables de contacter n'importe qui bureau de vulgarisation de Farey ou nos Extension Headquarters qui se trouve à Saint-Pierre sur le 433-9350. Pour un éleveur qui est intéressé, gagne plus de renseignements, vous êtes capable de contacter nos bureaux, services de vulgarisation à travers l'île, ou sinon vous êtes capable aussi de venir à Saint-Pierre, que nous avons nos Extension Headquarters, et là nous pouvons guider pour votre projet et aussi expliquer comment vous êtes capable de bénéficier de tous les schemes que le gouvernement y mettait pour les éleveurs, spécifiquement pour les éleveurs. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.